On se dit souvent, dans une autre vie, je ferai autrement. On court tellement. On est ici dans un endroit qui s'appelle le Cassette pour tous, c'est notre café culturel inclusif qu'on a ouvert il y a 3 semaines. On est débordé, on est absolument ravis, on a plus de 500 adhérents, on va finir l'année à plus de 1000 adhérents normalement. C'est absolument génial, l'idée est de recevoir des personnes en situation de handicap, pas en situation de handicap, des personnes âgées, isolées, tout un chacun. Grâce du coup au challenge inclusion dans lequel on a postulé avec Apicil, on a obtenu une jolie subvention de 5000 euros qui nous a permis d'offrir environ 6 concerts pour à chaque fois plus de 50 personnes, enfants, adultes, en situation de handicap, sur la Savoie, la Haute-Savoie, et il y a eu beaucoup de bonheur et de plaisir offert grâce à ça. L'idée, c'est de faire rentrer la culture dans ces lieux médico-sociaux où on y rentre peu, et ça a fait beaucoup de bulles d'air. Je voulais partir, hey, jusqu'à la mer, allongé sur le sable. Alors en fait l'idée c'est que nous on offre énormément de projets culturels, donc là c'est rentré dans le fait d'offrir des projets culturels, c'est-à-dire qu'on a fait venir 6 groupes professionnels de musique qui sont intervenus pour des enfants et des adultes en situation de handicap, donc en fait ça nous a permis d'offrir 6 prestations qualitatives professionnelles par des musiciens et chanteurs pros pour ces personnes qui sont parfois un peu isolées. Et toi dis-moi, ne t'excuse pas. Le fait d'avoir des gens qui croient en nous, qui croient dans notre projet, le projet c'était l'inclusion, l'outil, la musique comme outil d'inclusion. Et ça vient valoriser notre action, ça nous fait un bien fou au-delà de ce qu'on peut offrir. On est dans une pente montante qui nous fait vraiment du bien et qui nous fait plaisir. Et forcément le fait d'avoir eu ce prix-là aussi est un petit boost pour nous vraiment. Une partition sur laquelle je me penche. Quand je me vois sur ma guitare. Siffler des airs, chanter tard le soir.